Break. Les 73 51 88 de la part de 14 km 33 01. Et j'étais là tout à l'heure à 18h, pendant une bonne heure, là j'ai lancé des appels, et c'était le vide, j'allais dire le vide sanitaire, non, le vide sidéral, hachi. Salut Rémi, je suis avec Isabelle, la rebelle, dis-moi, t'es où ? Là je suis au QRA, là c'est de mon côté, ouais tu veux un report, de mon côté c'est une radio de 4-5, parce que bon j'ai un peu de QRM derrière, signal de 5. Ouais, merci pour le retour. Ben là, c'est une bonne radio de 4 aussi, signal 5. J'ai attendu un petit peu là avant de reprendre pour voir. Ben, en fin de compte, le signal 5, il sera pour tout le monde. C'est le signal de 5, c'est le niveau de QRM que j'ai au QRA. Et encore, j'ai le QRM émetteur de demi. J'ai un filtre DSP qui est enclenché là derrière. Là, pour faire le job un peu partout à ce niveau-là. Oui, je me souviens, la dernière fois, eh bien, j'étais sur la route, pas très loin du pro. Et là, ce coup-ci, là, je suis au QRA. Ok, surtout que là, là, si vous êtes d'accord tous les deux, là, je suis en train de faire là, une petite vidéo qui permettra par la même occasion, bon, bah, toujours pareil, hein, pour vu la fréquence où on est, donc déjà, ça permettra de booster un petit peu, de montrer un petit peu comment l'activité qu'il y a là. Et en même temps, tu pourras avoir directement ton appréciation sur la vidéo. Enfin, voir comment tu... Ah, je recrache tout ça, je remets tout ça à l'endroit. Tu pourras voir dessus comment ça passe. Ok, mais Isabelle aussi, elle va pouvoir constater par elle-même de sa radio et voilà. Écoute, je te repasse le micro, Isabelle, à toi. Oui, merci Gilles. Mais je sais que moi, c'est pas la première fois que tu me prends en vidéo, je précise. Ok, merci pour le retour. Puis en plus, bon là, j'ai ce qu'il faut là derrière là pour booster un petit peu là pour que ce soit un peu plus confortable. Car si j'enlève tout, je pense que ça risque d'être un petit peu limite. Un peu de...
Oui, Marc, tu as raison. Voilà, là, j'ai tout coupé. Je suis juste, j'ai remonté la puissance du 7009. Là, je suis qu'avec le 7009, là, de suite. Je reprends. Et de ton côté, ça ne change rien du tout. Hein. Retourne sur toi. Oui. Moi, je reçois tout le monde très bien. C'est pratiquement, Rémi, tu me reçois comme, à peu près comme moi je te reçois. Et je le reçois tous les deux avec une super radio. Ok, bon, bah c'est bon. C'est vrai, pourquoi faire plus quand on peut faire moins Ah, chie trois coups. Bon, ok, ouais, bah, je vais rester comme ça, c'est tout aussi bien. Voilà, là, j'ai pas compris grand chose. Attends, vas-y, reviens-moi, je vais essayer d'arranger un petit peu ça de mon côté, là. Là, j'ai pas du tout eu Roger de ce que tu as dit, là. Oui, voilà, ça me revient, oui. J'ai fait plus que jeter un œil. Et là, il m'est revenu en pleine poire, puisque déjà, là, la semaine prochaine, eh bien, je vais bosser quasiment tous les jours. C'est donc là, ça va être compliqué l'affaire. Pour le mois de mai, je ne sais pas trop encore, puisque bon, là, pour l'instant, j'ai un tout petit planning qui veut dire que forcément, il va être modifié en long, en large, en travers. Donc là, à la seconde, pour le mois de mai, je ne peux pas dire grand-chose. Ça va être surprise, et peut-être au dernier moment que je vais pouvoir dire présent, Hachi, comme ça a été le cas pour l'Assemblée Générale de l'ERCI. Le vendredi, voilà, j'ai répondu à l'email en répondant que je serai présent, que j'ai confirmé ma présence à l'Assemblée Générale 2.0. Et dès le vendredi soir, j'ai coupé mon téléphone pour le rallumer que lundi matin. Voilà, sinon ça n'aurait peut-être pas fait dans le week-end. Et il n'y a que comme ça que j'arrive à m'en sortir, quoi. Donc là, à la seconde même, je ne peux pas te confirmer une date, loin de là. C'est ça qui est chiant de mon côté, j'ai des plannings très, très aléatoires. Ok, je reprends en espérant surmonter des personnes. Ok, c'est bon.
On pourrait basculer toujours sur la même fréquence en Lima Sierra Bravo. En LSB, en Lima Sierra Bravo, bien souvent c'est plus propre. On tente le coup ? On tente. Oui, c'est bon pour moi ? C'est bon pour moi. Ok, c'est parti. Ok, voilà, donc, ouais, bien souvent, j'ai remarqué ça aussi de mon côté. En USB, en uniforme Sierra Bravo, c'est pas toujours top. Et bien souvent, dès qu'on bascule en Lima Sierra Bravo, ça passe déjà mieux. Donc, on va bien voir si ce soir ça se vérifie. Ouais. Ouais, Gilles. Voilà, il a fallu que j'aille te chercher complètement à l'ouest. Bon, ok, d'accord. Je te laisse le temps de me clarifier, parce que là, je vois qu'en Lima Sierra Bravo, t'as un gros problème de ton côté, là. T'es complètement à l'ouest, t'es complètement barré, là. T'es complètement décalé en fréquence en Lima Sierra Bravo. Donc, c'est pas la solution. Retour, Gilles. Ah, ok, bon là ça va déjà mieux. Ouais, du coup j'ai pas eu Roger de ce que tu as dit, j'ai pas eu QSL du tout. Oui Gilles, tu disais? Tu nous entends? Oui, Isabelle. Ben, où tu veux, en USB, en Alpha Mic, si déjà là ça passe moyen, en Alpha Mic, j'ai un peu peur que ça passe pas du tout. Peut-être plus en Fox Mic. On passe en USB. Ok, ben c'est reparti pour en USB. Ok, de retour en uniforme Sierra Bravo. Ok, j'essaye, je bascule. Ok, c'est parti. Ouais, je suis là, et encore, c'est bien parce que j'ai entendu Gilles le gazouiller derrière, mais c'est vrai que là, de mon côté, c'est cracra. Ok, oui, je t'entends, Gilles. Moi aussi, je t'entends, mais je t'en prends un mot sur toi.
Isabelle, je n'entends quasiment plus, ou presque plus, je la devine derrière. Donc, je comprends rien du tout à ce qu'elle peut dire, c'est bien dommage. Et il n'y a que toi qui arrives à passer, et c'est vrai que là, ça a monté un petit peu au niveau QRM. Je ne vois pas au niveau du signal, mais plus au niveau bruit. Entre le 3 et le 10, je sais pas du tout, là j'ai pas mon planning devant les yeux. 3, 10 mai, ouais, faut que je regarde. Ouais, j'essaie de me connecter là. Ça rame. Là, je suis en train de charger la vidéo là, de jeudi. Voilà qu'on a fait. J'ai encore 3/4 d'heure de téléchargement. Là, du coup, là, j'arrive pas. Ça rame tellement que ça ne veut pas aboutir. J'arrive pas à accéder au site. Disons que c'est vrai qu'en USB, enfin tout à l'heure quand on était en BLU, de mon côté c'était mieux. Là en FM, c'est complètement barré de mon côté. J'arrive à t'entendre, mais bon, c'est vrai que faut quand même tendre l'oreille. Même si je suis persuadé que sur la vidéo, et ben ce sera l'écoute sera meilleure, parce que bien souvent c'est le cas. C'est je sais pas pourquoi la caméra améliore le son. Ah, chie trois coups. Mais bon, c'est vrai qu'en BLU, ça passait quand même mieux tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave, si vous deux vous entendez mieux en FM, eh bien pas de souci, hein, ça m'ira quand même. Hein. Ok, Denis, bon, ça aura toujours une occasion pour te parler, pas de souci. Parce que bien sûr, si tu as parlé, c'est que tu demandes, et puis comme ça, on s'apparera sur le changement, c'est pas tout seul. Eh bien, d'après ce que je vois, j'ai le jeudi 6 mai de repos, là, pour l'instant. Et samedi 8, dimanche 9 de repos aussi, mais je suis pas sûr, je sais pas. C'est sous réserve, hein, évidemment. C'est sous réserve qu'on soit carrément pas là ou je sais pas, je peux pas confirmer à la seconde même. Ça m'est pas du tout possible de confirmer quoi que ce soit à la seconde même. Ah,
Moi, ça me parle de ce que vous avez. Je vais vous dire que ça me parle d'heure, parce que là, je comprends rapidement ce que vous dites. Ok, ça marche. Ok, 73 Gilles, 88 Isabelle. Merci pour ce petit QSO. Dommage que qu'on soit en compagnie des QRM ce soir. Même s'ils sont bien sympas, ils nous emmerdent un peu là, sur le coup. bonne soirée à vous deux, bon week-end. Ok, bon week-end, Isabelle. Ah, ça passe. Ok, on parle. Ah. Ok, bon, bah du coup, je suis toujours là. Hein. Oui. Oui, ah ben là, ça va mieux, là, de mon côté. Ok, voilà, donc là, effectivement, là j'arrive à nouveau à entendre tout le monde. Là, ça va déjà mieux de mon côté. Voilà, mais pareil pour moi. Pareil pour moi. Ah putain, il a fallu passer par tous les modes pour se rendre compte qu'en fin de compte, on est bien chez soi. Non, je plaisante, je déconne. Et oui, mais bon, comme quoi, il y a toujours, c'est les aléas de la radio, hein, de toute façon, hein, c'est à apprendre avec, c'est ceci, c'est cela, une autre fois, et bien, ce sera merveilleux, il n'y aura pas un pet de QRM avec une grosse propague par-dessus, et puis il faut dire aussi qu'on est quand même assez éloignés les uns des autres, c'est ça, hein. Pour ma part, là, je suis à côté de Castillon-la-Bataille. Donc, si tu vois où c'est, je suis pratiquement en limite de la Dordogne. Donc, je suis, pour ma part, je suis quand même assez loin de tout le monde. Oui, écoute, Rémi, c'est très bien. Castillon-la-Bataille, Saint-Loubel, dans les conditions qu'on a aujourd'hui, moi, je dis que c'est très bien. Ah oui, Gilles. Ah oui, non, mais c'est sûr. Hein, je me plains pas du tout. Hein, loin de là. Hein. Mais bon, c'est vrai que on fait avec. Et puis voilà quoi. C'est aujourd'hui, c'est comme ça. Une prochaine fois, ça sera autrement. Et puis voilà. Hein. Oui. Là, tu vois, c'est un moment. Hein. Il suffisait d'attendre un peu, puis de revenir là, puis finalement, on arrive à s'entendre. Même si c'est un petit peu difficile, mais bon, c'est pas après, c'est un problème de. Le réglage. À toi, Isabelle. L'essentiel, c'est de s'entendre. Exactement. Bon, mais j'ai bien Rémi. Maintenant, il n'y a plus que Daniel, mais ça va être un peu plus compliqué pour avoir Daniel. Quoique, je l'ai entendu, je crois que c'est hier ou avant-hier, que vous étiez en USB, et je vous ai entendu tous les deux. Hein. Oui. Et effectivement, tu avais un gros problème de micro. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si ça doit être, je pense, là dans la vidéo là que je suis en train de charger là sur YouTube. Peut-être tout à l'heure, ça m'affichait, je sais plus, presque 3 heures de téléchargement, en plus que ça. J'ai lancé le téléchargement de la vidéo là de jeudi, il était 17h15 dans ces environs-là. Et tu vois que là, d'après ce que je vois, il y a encore 40 minutes de téléchargement. Autant prendre la CB hein, pour passer un message, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide que par Internet. Retour Gilles. Oui, après tout dépend de la longueur de la vidéo, hein. Plus elle est longue, plus ça va mettre de temps à charger, c'est normal. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. On a fait trop fort, justement, jeudi. Et en plus de ça, Daniel a fait une vidéo aussi de son côté. Donc, autant de coupures qu'il y a de changements de micro. Quoi. Alors, autant dire que ça fait grossir là, le poids de la vidéo d'autant. Quoi. En plus, je n'ai rien du tout.
toujours mon micro parce que je l'ai juste débranché et rebranché et j'ai remis les essais, ça allait nickel. Je pense que je me suis trompé dans les fréquences, je ne retrouvais plus. Donc, je me suis un peu décalé en fait. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Eh bien, j'étais pourtant clair. J'essaie de mon côté de te clarifier tout ceci, cela. On t'a cherché en Lima Sierra Bravo, en Alpha Mike, en Fox Mike. On t'a cherché partout. Impossible de te trouver. Hein. Il y avait effectivement, je sais pas. J'ai pas compris. Retour Gilles. Oui, non, c'est pas grave. Le principal, c'était d'entendre. Je l'ai entendu. Bon, maintenant, la prochaine mission, ça va lui parler. On va y arriver. Tu m'étonnes. Alors, puisque là, avant de repasser le micro à Isabelle, donc là, puisqu'on s'entend mieux, je suis en repos, donc pour le moment, jeudi, et après, samedi 8, dimanche 9. Voilà. Et j'ai pas du mois de mai, hein. 2021 aussi. Hachi, voilà pour le moment ce que j'ai là. Attends, oui, mais tant que je t'entends là, t'as entendu, tu parles le mois de mai, du 18 au du 3 mai au 19 mai, je suis en vacances. Donc si tu as 19. Un planning ou que tu auras une opportunité, donc tu pourras peut-être venir. Ah d'accord, je croyais que c'était du 3 au 10, moi, que tu avais. Ah ben là, jusqu'au 19, ben là, pour le coup, oui. Ah ben oui, puisque là, pour l'instant, c'est dilemme, c'est... Ouais, on va pouvoir, on devrait pouvoir se faire quelque chose, oui, affirmatif. C'est... Ouais, ça devrait être possible. Bon, ok, ben tu veux tu es au courant par mes messengers. Attends, il y a pas Isabelle. Oui. Ça monte un peu les QRS de mon côté là. Il y a aussi les QRS bouche qui se battent autour là, ça me saoule. Parce que eux, ils ne sont pas dans la discrétion. J'ai entendu des dates décumées, je crois, Rémi, c'est ça? Oui, c'est Rémi. J'ai pas compris, tu peux répéter ? Oui, affirmatif, c'est Rémi. Roméo et Comac Yankee, Rémi. J'ai entendu que tu parlais de date et du mai, c'est ça ? Ah, autant pour moi. Comme quoi, tu vois, là, sur le coup, là, c'était... j'ai pas eu... oui, je parlais au mois de mai. Oui, mais bon, vu mon pro, ça peut être modifié à n'importe quel moment. Donc, prévoir comme ça bien à l'avance, moi, c'est très compliqué. Ou alors, il faut que je prévoie que je bloque une date plusieurs mois à l'avance. Le truc qui est possible dans ces cas-là de faire, vu que tu es responsable des X, Hachi, c'est de programmer par exemple une date de ton côté. Ça convient, ça passe, tout le monde peut s'accorder, tant mieux. Ceux qui peuvent pas venir, eh bien, tant pis, ce sera pour une autre fois. Il y a ça qui est possible de faire. Mais là, en ce qui me concerne, je vois pas que ça m'est très compliqué pour moi de définir une date. C'est voilà le truc. Comment tu es responsable sur la bureau, qu'il soit présent aussi, c'est quand même plus sympa. Attends, il y a un truc que j'ai pas vu là sur le planning. Alors le mercredi 19, jeudi 20, par contre là oui c'est bloqué. Là je sais que je suis sûr de rien avoir, mais après c'est en semaine. Et en semaine, là c'est tu dois bosser toi, de ton côté. Donc j'imagine que là ça va pas le faire. Oui, normalement j'aurais repris le pro, oui, normalement. Si c'est pas non plus la seule, on est beaucoup à travailler en semaine et pour se générer, c'est moins évident. Hein. Ouais. Et ouais, voilà, donc tu as repris le boulot, tu vois, c'est pas évident hein, d'accorder ces violons comme ça au niveau planning. Hein. C'est vraiment short. Hein. C'est clair,
surtout que là, on travaille pour eux. Ça nous met les QRM, ça vous met la voix, mais on comprend, moi, je comprends beaucoup mieux comme ça. Oui, mais par contre, je reprends. Par contre, Dick, tu t'es décalé un peu par rapport à quand tu viens d'aller sur Rémi et toi, tu t'es légèrement décalé. Moi, je me demande si ta base, c'est bien avec ta base, là. Oui, oui, ça fait plusieurs fois que tu me dis ça, et pourtant elle affiche bien le chiffre, mais je me demande si elle se décale pas un peu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'elle se décale en chauffant. Ça te fait la même chose, Rémi, de ton côté, concernant la radio à ville, s'il te plaît? Ouais, effectivement, ça navigue un petit peu. Gilles, l'affichage de la fréquence que tu as, c'est pas un fréquence-mètre, c'est juste un afficheur de fréquence, sans plus. Donc, dessus, tu peux pas voir quand la base se balade un petit peu en fréquence. Voilà, hein, c'est comme moi, là, sur mon poste, hein, sur mon 7009 ou le Lincoln 2 qui est dans la voiture. C'est que des afficheurs de fréquence, c'est plus ou sans plus, hein, ça, c'est ce qui est différent. Là, on ne voit pas quand ça navigue un petit peu, mais oui, effectivement, là ça a bougé un petit peu par rapport à tout à l'heure, Gilles. Je reprends, j'étais en train de parler, il a dit, je suis au téléphone, voilà, donc il est tout le temps, on va laisser faire continuer cette conversation, on va y revenir. Ouais, ok, d'accord. Par contre, je suis en train de voir l'heure, 20h15. Je vais passer en QRT là pour aller au gastro-solide. Donc ben, je vais t'envoyer le. Ah oui, Gilles est au 600. Ouais, ben, je vais attendre un petit peu là qu'il revienne si c'est rapide. Et retour Isabelle. Merci, j'ai entendu un break. Ok, toujours là, le break à l'ici. Alors, ça a été très compliqué pour le sortir. Je l'entends, mais de là à comprendre ce qu'il a dit là, ici sur le QRA, non. Non, il m'aurait fallu zéro de QRM pour arriver à le sortir correctement, ce qui n'est pas le cas. Thank you.
peu près dans les mêmes eaux que toi. Normalement, en USB, on se voit en Alpama et en FM, on se tutoie. Sachant que théoriquement, ce sont deux mondes un peu différents, même si on est tous des amateurs radio et certains radio amateurs. Pour moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Donc, de base, je vous vois toujours et après, je tutoie. Voilà, retour, Jean-Marc. Ok, si j'arrivais à le sortir un petit peu, j'ai compris Jean-Marc. Ok, je suis allé sur le site des kilomètres et je vois que c'est 14 kilomètres 33 93 QRZ local Panda 33. Voilà QTH Canéjan d'après ce que je vois là sur l'affiche. Ok, heureusement qu'il y a ça qui est là, qui m'a permis justement de pouvoir avoir toutes les infos. Retour Isabelle. Kilomètres après Libourne, c'est-à-dire à côté de Castillon-la-Bataille, c'est après Saint-Émilion, voilà, pas loin du département de la Dordogne. J'ai allumé un petit peu là derrière, là ce qu'il fallait, peut-être que là ce coup-ci il va réussir à m'entendre. Les 73 Jean-Marc de la part de Rémi. C'est ce qui m'a semblé comprendre. Voilà, j'ai monté un petit poil de plus, mais j'irai pas au-delà. Car là je pense que je dois être. Quoique là, je peux peut-être là. Ouais, bon, pas plus. Ouais, non, j'irai pas plus que ça. Après, ça serait faire chauffer la boîte à vitamines inutilement, quoi. Ok. Par contre, là, je suis en train de voir l'heure. Je vais devoir passer en QRT, là, vraiment, là, ce coup-ci. Dommage, Gilles n'est pas revenu, il doit être toujours au téléphone, bon, c'est pas grave.
Isabelle, Jean-Marc, je vous envoie les bons 1351. Gilles, si tu as quand même une oreille sur le poste derrière, pareil, hein, les bons 1351. 212 QRA à vous tous, avec votre permission. Et à la prochaine en QSO. Et merci Isabelle. Ok, merci. Tu me rejoins ? Ah, Gilles, ok, là, vu l'heure, là, il est 20h25 quasiment. Il faut que je passe en QRT, les 73-51 à tous. 212 QRA et à la prochaine. Juste une seconde, comment ça se fait que tu arrives si fort, hein ? C'est parce que là j'ai sorti le vélo, hein, celui-là qui va bien, pour pédaler encore plus fort. Et tu as une autre station qui est arrivée derrière, c'est-à-dire 14 km 33-93, Panda 33, Jean-Marc, qui est sur Canéjean. Voilà, tu as lui qui vient de rentrer dans le QSO, là, qui est avec Isabelle en ce moment. Hein. Voilà, retour Gilles, les 73 à tous. Allez, bonne soirée et à plus tard. Ok, la station de Canéjean. Je ne sais pas si tu l'entends, ça s'entraîne à toi de Gilles de Saint-Loubès. Vas-y Isabelle. Oui, merci, je reprends. Ok. Rémi, sur derrière, c'est le bon de trop et au plaisir de s'entendre pour la séquence 212 au cœur avec ta permission, bien évidemment. Les bons frères pour la vie, bye bye. Merci, bye bye. Qu'est-ce que c'est que cette conditionnelle que je me prends là? C'est un malin ce Rémi, hein. Quand il veut, il peut passer, hein. Oui, ça m'a dit jusqu'à Canéjean, c'est pas mal, hein, Jean-Marc, tu le recevais bien apparemment. Alors, au niveau filtre, j'ai un filtre DSP là qui est en marche, donc entre le poste et le haut-parleur. Je le coupe, je l'enlève. Voilà ce que ça donne. Et là, j'ai le QRM Eliminator. En QRM Eliminator. En QRM Eliminator, son boulot à l'origine, c'est quand même le CPL. Hein. Donc là, je l'enlève. Et on a vu le signal remonter. Voilà, là je l'ai remis. Là, je l'enlève. Et le gain est à... est réglé à 3 heures. Donc je ne suis pas à fond au niveau du gain. Voilà, là je le remets. Le DSP avec. Les deux associés, c'est quand même pas mal. Je suis en train de dire que Rémi, c'était un malin, parce que quand il va se faire entendre, il sait se faire entendre. Il m'arrivait plein de temps vers la fin. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai un peu trop forcé aussi au niveau entrée. Voilà. Les 73 à tous et de la part de l'ensemble des kilomètres.